pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, alors bonjour. Alors, aujourd'hui, nous sommes 95 000 abonnés sur cette chaîne. 95 000 abonnés, et nous sommes à la revue de presse numéro 366. Cela fait maintenant un an et demi que je fais des revues de presse quotidiennes. Quotidiennes. Bien entendu, les dimanches et les jours fériés, je mets des rediffusions. Mais tous les jours, je vous apporte de l'information que j'ai puisée dans le web, partout sur le web. Alors, espérons qu'à la fin de l'année, que même début décembre, nous en soyons à 100 000 abonnés. Pour cela, il faut partager, liker et évidemment commenter. C'est très important pour nous, très très important. Bon, alors, je vais reprendre une tradition que j'avais laissée de côté il y a maintenant à peu près 6-7 mois. Tous les samedis, je ferai une revue de presse à la fin de cette revue de presse, mais des journaux que j'ai lus, que je lis régulièrement, quotidiennement, pour vous. Et puis, je voudrais également vous dire de vous abonner sur Patreon. Patreon, vous avez l'URL là. La protection du ciel ukrainien. Mais ça, c'est entrer en guerre avec la Russie, si nous abattons demain un avion russe. C'est pas faux. C'est pas faux, ils sont en guerre avec nous, ils le disent, ils sont en guerre avec l'OTAN. Et soit dit en passant, flinguer un avion russe qui vient de lancer une bombe de 2000 kilos sur un hôpital ukrainien, oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, il avait qu'à pas tirer sa bombe. Alors c'est incroyable, M. Yakovlev continue à délirer complètement alors que nous sommes, enfin... Alors que, réellement, l'Ukraine a perdu. Mais il veut vraiment la guerre. Mais qu'il y aille. Qu'il se porte volontaire. Oui, le grand général Yakovlev. À quelques jours de l'élection américaine, l'Ukraine semble prise de vertige. Les médias mainstream n'en parlent pas, mais l'armée ukrainienne est sur le point de s'effondrer. 100 000 désertions depuis le début de l'année, l'impossible nouvelle mobilisation au sein de la population ukrainienne scelle le sort de la guerre. C'est une humiliation qui attend l'Occident otanien. Poutine est au sommet de sa popularité. Le sommet de Kazan est pour lui une consécration. La diplomatie de gribouille de l'Occident a rapproché Corée du Nord et Russie. La triangulation avec la Chine est un désastre diplomatique pour l'Occident. Des frappes russes sur un poste de police ont tué au moins un policier et blessé 46 personnes vendredi à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine. Parmi les blessés se trouveraient 36 policiers, un secouriste et une dizaine de civils, selon le service d'urgence de la région de Kharkiv. Sur son compte Telegram, le ministre ukrainien de l'Intérieur Igor Klimenko ajoute que 3 policiers blessés sont toujours dans un état grave. Cette frappe fait suite au bombardement russe de mercredi sur un immeuble de Kharkiv, qui a tué 3 personnes, dont 2 mineurs, et fait une trentaine de blessés. Plus au nord, dans la ville ukrainienne de Soumy, un immeuble de 9 étages a été touché par une frappe aérienne russe vendredi soir. 5 personnes ont été blessées, dont une femme enceinte, et plusieurs voitures ont été endommagées. La ville de Soumy se trouve à environ 30 km de la région russe de Koursk, où les troupes ukrainiennes ont lancé une incursion surprise au mois d'août, et où se trouveraient actuellement près de 8000 soldats nord-coréens. J'ai l'impression que au désastre militaire s'ajoute, il y a eu le sommet de Kazan, il y a la triangulation Corée-Chine-Russie, un véritable Trafalgar diplomatique pour l'Occident. Oui, tout à fait. En effet, sur le plan militaire, l'OTAN qui épaule l'Ukraine enregistre une déconvenue de plus en plus manifeste, puisqu'on voit bien
que l'armée ukrainienne est tellement fatiguée et tellement en difficulté qu'elle commence à reculer de plus en plus nettement. Et en fait, comme vous l'avez dit, la mobilisation est un échec en Ukraine et les Russes sont en train d'emporter la partie militairement. On voit que cette politique américaine qui a consisté, depuis la chute de l'Union soviétique, qui a consisté à repousser les limites de l'OTAN le plus à l'est possible et qui a exacerbé chez les Russes le complexe de l'encerclement, comme on dit. Cette immensité plate qu'est la Russie, majoritairement plate, a toujours vécu au fil des siècles dans la hantise des grandes invasions qui l'ont parcouru constamment et de l'Est et de l'Ouest. C'est donc inhérent à la psyché russe, cette hantise de l'encerclement. Washington en a eu cure. Washington ne sait même pas que ça existe, je pense. Et cette extension forcenée de l'OTAN jusqu'à l'Est, malgré les avertissements de Poutine à partir de 2007 notamment, a donné comme résultat qu'une ère est tombée entre les Européens, entre l'Occident et la Russie, et notamment les Européens et la Russie. Et voilà que cette Russie de Vladimir Poutine, qui au départ faisait des offres de service à l'OTAN et à l'Occident pour une sainte alliance contre le terrorisme, voilà que cette Russie, repoussée dans les bras de la Chine, est maintenant à la tête d'une triangulation militaire Russie-Iran-Corée, et d'autre part, est le chef de file d'une diplomatie contre le sud global, pourrait-on dire, même si le sud global n'est pas un monolithe. Et tous les pays ne sont pas au sud. Et ce sud global n'est pas entièrement dans le sud. En plus, c'est vraiment une façon, donc, une façon de s'exprimer. C'est une expression qui laisse à désirer des aspects, hein, bien sûr. Ouais. Mais enfin, voilà qu'il est, au fond, le chef de file maintenant du sud global. Washington a annoncé vendredi l'octroi d'une nouvelle aide militaire de 425 millions de dollars à l'Ukraine, alors que plus de 10 000 soldats nord-coréens ont récemment rejoint les forces russes. Le nouveau programme d'aide américain comprend des intercepteurs de défense aérienne pour les systèmes de missiles solaires et des munitions pour lance-roquettes. Dans le même temps, le premier ministre slovaque Robert Fico s'est élevé contre le soutien militaire occidental à l'Ukraine. Il accuse les pays européens de ne pas chercher une résolution pacifique de la guerre. Et il affirme que l'envoi d'armes à Kiev ne fait que prolonger les combats. Le premier ministre estonien Kristen Michal exhorte quant à lui les pays européens à suivre l'exemple balte en fournissant à Kiev les moyens de remporter la guerre. En 2024, l'Estonie a promis plus de 100 millions d'euros d'aide militaire à l'Ukraine. Et la Lettonie voisine 112 millions d'euros. En réalité, on voit que la Russie continue dans cette trajectoire, celle qu'elle avait déjà en fait déclarée le 22 février 2022, ou le 24 février, pardon. Ce qui est intéressant, c'est plutôt le positionnement donc, de l'Ukraine et de l'Europe et des États-Unis. Et juste pour être un petit peu bref, on pourra peut-être approfondir après, je dirais que... On fait un rapide tour de table, oui, là, pour l'instant. Les États-Unis ont quand même, quelque part, maintenant, une approche assez rationnelle, parce qu'ils essaient maintenant de se détacher de ce conflit. Ils se rendent compte que ça ne va pas marcher pour eux, leurs plans initiaux ne vont pas donner des résultats, donc ils essaient maintenant de se détacher de ce conflit. Par contre, nous voyons les Ukrainiens, évidemment, qui sont de plus en plus désespérés, et cela crée aujourd'hui des tensions, on pourra regarder ces tensions, des tensions assez fortes entre surtout l'Ukraine et les États-Unis, puisque les États-Unis ne réagissent pas du tout aujourd'hui comme l'attendent les Ukrainiens. Nous allons plonger dans le discours de Sergueï Lavrov à la Conférence internationale sur la sécurité en Eurasie, un événement clé qui met en lumière les dynamiques de pouvoir en jeu dans la région. Lavrov, en tant que représentant de la Russie, propose une vision de la sécurité fondée sur la coopération régionale et le respect des souverainetés nationales, tout en appelant à une réévaluation des structures de pouvoir mondial. Ce discours arrive à un moment crucial,
alors que le monde assiste à une redéfinition des alliances et des rivalités géopolitiques. Quelles sont les véritables implications de ces propos pour les pays de la région et pour l'équilibre des forces sur la scène internationale? Lavrov pose des questions qui méritent d'être explorées. Comment les pays peuvent-ils naviguer entre leurs intérêts nationaux et la nécessité d'une coopération pour résoudre des défis globaux? Et ensuite, nous avons l'Europe, effectivement, et on attend ici, c'est ça la grande énigme en réalité, parce que celle qui souffre le plus en réalité de ce conflit depuis deux ans, plus que deux ans, c'est en réalité l'Europe au niveau économique, au niveau de sa position dans le monde, et on se demande à quel moment est-ce que les Européens ou les chancelleries européennes vont réagir. Et est-ce qu'ils vont réagir? On ne sait pas, parce que deux ans et demi ont déjà passé, et on se demande... Il est déjà bien tard. Il est déjà bien tard. Donc ça, c'est vraiment la grande interrogation. Simplement, au lieu d'être très ravi de ce qui se passe, ça me renvoie à ce que c'est à l'origine. À l'origine, c'est deux peuples slaves, deux peuples frères, qu'on a trinqués les uns contre les autres. Les seuls qui en payent la note en termes de prix, ce sont les slaves. De deux côtés. Et il n'y a rien pour s'en réjouir. Je rappelle juste cet aspect-là, tragique de l'histoire. Les Anglais, enfin les Britanniques, les Anglo-Saxons ont voulu ce conflit. Ils n'y ont pas mis une goutte de sang. Et ça, c'est monstrueux. Et vous attendiez à ce dénouement ? Évidemment, je m'attendais à ce... je pensais même qu'il arriverait plus vite. Donc j'étais persuadée que c'était une guerre qui allait durer 3 mois, enfin, au grand maximum. Et 3 jours. Même là, au mois de mars 2022, les Britanniques ont interdit à l'Ukraine de négocier. C'était possible à ce moment-là. Et encore une fois, la Russie, quand elle est justement poussée dans ses retranchements, c'est là où elle est la meilleure, c'est là où elle est la plus forte. Et il faut apprendre la leçon de cette histoire-là, comme les histoires passées. C'est pas juste de dire que les Américains veulent se retirer du conflit. Ils ont fait, comme on dit vulgairement, carton plein. Ils ont vendu le F-35. L'Europe se réarme avec les armements américains. Ils vendent leur gaz de schiste à la place du gaz russe dont personne ne voulait. Ils le vendent 3 fois plus cher. Ils ont élargi l'OTAN. Et donc... ils sont au sommet de ce qu'ils peuvent gagner de ce conflit. À partir de maintenant, ça va commencer à se dégrader parce que il y a les attaques contre le dollar, il y a la coalition que vous avez notée, c'est pas vraiment une coalition, mais en tout cas le resserrement des solidarités du Sud global. Donc ça va commencer à être moins bon pour eux, et donc je pense qu'ils ont intérêt à partir. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur l'Europe, c'est la grande, enfin l'Union européenne en tout cas, c'est la grande perdante. De cette affaire. On pouvait le deviner puisque l'Europe avait essayé, en la personne de Hollande et Merkel, je crois que nos dirigeants avaient parfaitement vu que dans le grand projet de développement des relations avec la Russie, gaz pas cher, main-d'œuvre ukrainienne, exportation vers la Chine, qui était un peu le projet allemand, il y avait un hic, il y avait une question qu'il fallait régler, c'était l'Ukraine. Et donc l'Europe a essayé de le faire. Et les accords de Minsk ont été négociés. La France, il faut le dire, le président Hollande, on leur parle là-dedans. Le seul problème, c'est que nous avons été trop faibles pour les appliquer. Et les Américains n'ont rien fait pour en faciliter la réalisation. Du côté ukrainien, ça a été le refus dès le départ. Et les Russes, pour de multiples raisons sur lesquelles c'est trop long de s'étendre, n'ont pas été totalement enthousiastes. Donc c'était à la France et à l'Allemagne de les imposer, et ils ne l'ont pas fait. Hein. Donc maintenant l'Europe perd, la Russie va avoir un taux de croissance de presque 4% en 2024, les États-Unis s'en tirent très bien, l'Europe est en stagnation, il y a ces rumeurs de guerre. Donc tout ça est effectivement très inquiétant. Une tendance majeure au fil des ans a été la formation d'un ordre mondial multipolaire. Cela est reconnu par tous. La transformation qui se produit dans le monde est un processus naturel et irréversible. Elle est liée à des changements objectifs dans l'équilibre mondial, à la consolidation de nouveaux centres de croissance économique et d'influence non occidentaux. Cette tendance contribue sans aucun doute à la démocratisation des relations internationales, où il ne devrait pas y avoir de hégémonie de quiconque, et où les principes de la Charte des Nations Unies doivent être respectés, non pas de manière sélective, mais dans toute leur plénitude et leur interconnexion.
C'est un point fondamental. Le principe clé de la charte est l'égalité souveraine des États. C'est précisément ce principe qui constitue la base juridique de la multipolarité. L'engagement envers celui-ci détermine également notre approche du développement des relations avec les pays d'Eurasie, le plus grand continent, riche en ressources naturelles et en pleine expansion. La pression russe est très forte. Pour l'instant, pour autant que je puisse en juger, il n'y a pas d'effondrement du plan du front ukrainien. Alors c'est vrai que le front allemand en 1918 s'est effondré d'un seul coup deux mois après l'offensive quasi victorieuse de Ludendorff, et que donc on ne sait pas à partir de quand brusquement l'ensemble se désarticule, et le moral est très important dans cette affaire, et le moral effectivement des Ukrainiens est en train de baisser. Mais encore une fois, rien n'est joué. Et puis la deuxième chose, c'est que il ne faut pas oublier que l'OTAN et le monde occidental qui s'est engagé dans cette malheureuse affaire ne peut pas perdre non plus. On a dit que la Russie ne pouvait pas perdre au moment où elle subissait des défaites, et c'était vrai, mais le monde occidental ne peut pas perdre non plus. C'est-à-dire qu'il y a un risque d'escalade qui n'est pas négligeable. Et dernière remarque, c'est vrai qu'actuellement, ceux qui font figure, comme on dit en anglais, les adults in the room, c'est-à-dire les seuls qui soient à peu près sérieux, parce que cohérents et rationnels, ce sont les Américains. Et donc l'issue du conflit dépend en grande partie des Américains. Le conflit en Ukraine pourrait-il dégénérer en guerre mondiale? On sent que les choses s'accélèrent avec les dernières prises de position des uns et des autres. Plusieurs déclarations aujourd'hui nous interpellent. Analyse signée Xavier de Giacomini, Catherine de Gentil de Canoco, nos éditorialistes qui sont avec nous. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints. Et notre invité, général Vincent Desportes, bonjour. Ancien directeur de l'école de guerre, professeur des universités, associé à Sciences Po et HEC, auteur de « Devenez leader », publié aux éditions Odile Jacob. Les déclarations dont je vous parlais, il y en a une notamment, celle de Sergueï Lavrov, c'était ce matin. Le ministre russe des Affaires étrangères répond à une interview d'un journal turc, et voilà ce qu'il dit. « Les États-Unis et la Russie sont au bord d'un conflit militaire direct ». Donc c'est évidemment une phrase qui nous a interpellés. Évidemment, il incombe la faute à Joe Biden, qui n'a fait que attiser la russophobie dans son pays. À qui est-ce qu'il s'adresse avant tout, la Sergueï Lavrov, en affirmant une telle chose ? Il s'adresse évidemment aux alliés de l'Ukraine, hein, pour leur expliquer que ce n'est pas parce que les Russes ont fait venir des Nord-Coréens sur leur terrain, pour l'instant, a priori, ils ne sont pas encore où ils ne passeront pas, d'ailleurs, en Ukraine, et que ce n'est pas parce que les alliés de l'Ukraine, justement, ont quand même beaucoup dit que c'était inadmissible, qu'il fallait que les Nord-Coréens retournent chez eux, etc. C'est pour dire, voilà, la Russie, non seulement ne se laisse pas impressionner, mais en plus, même si on en arrive à un conflit militaire direct avec les États-Unis, on est prêt. Je veux poser un très simple question. Даже если представить себе, что все то, что утверждают о военном сотрудничестве России и КНДР наши западные коллеги, вдруг оказалось бы правдой. Почему Соединенные Штаты и их союзники пытаются навязать всему миру гнилую логику о том, что они имеют право помогать режиму Зеленского, мобилизуя для этого весь военный и разведывательный потенциал НАТО, а союзники России делать этого права не имеют? Откуда, дамы и господа, у вас это не колониальное ощущение собственной исключительности и безнаказанности, ничем не обоснованная вера в то, что то, что можно вам, нельзя другим? Никакой заморозки фронта для того, чтобы режим Зеленского мог залезать раны, не будет. Как не будет и вступления Украины в том или ином виде в НАТО. Все цели нашей СВО, включая демилитаризацию и денацификацию Украины, остаются в силе и не меняются. А вот что меняется, причем стремительно, так это размер территории, остающейся под контролем киевского режима. Советую всем, кто радеет за своих украинских подельников, не забывать об этом. И думать не о клике Зеленского, а об украинском народе, долгосрочные интересы которого состоят в мире и добрососедстве с Россией. Пока же это у наших западных коллег плохо получается. Благодарю вас. Je vois une situation sur le terrain, sur le champ de bataille, qui est quand même très très difficile pour l'Ukraine. Donc à Koursk notamment, où ils ont perdu maintenant près de 30 000 hommes, donc morts et blessés, pour quelque chose qui, en réalité, n'a aucune valeur tactique pour l'armée ukrainienne. Et donc les critiques se font maintenant de plus en plus fortes au sein de l'Ukraine pour dire pourquoi est-ce que vous avez
miser sur Koursk, alors que ces soldats auraient pu être utilisés pour renforcer donc le front du Sud. Il y a le front du Sud qui évolue très très rapidement quand même. Et il y a des vidéos qui montrent même les Ukrainiens qui se plaignent. Et ces vidéos qui ne sont pas forcément montrées en Occident, mais qu'on peut voir facilement sur Telegram ou sur Twitter, qui se plaignent de désertion, comme vous avez dit tout à l'heure. Donc je considère que la situation est quand même dramatique pour l'Ukraine. Sur le plan militaire. Sur le plan militaire, ça ne veut pas dire qu'elle va s'effondrer tout de suite, parce que c'est quand même, c'était à l'origine une très grande armée. Ben, globalement, je suis assez d'accord. Koursk a été un échec dès le début. En fait, les Ukrainiens avaient deux objectifs. Ils voulaient mettre la main sur la centrale nucléaire de Koursk, la Kourchatov, à 40 km de Koursk, qu'ils ont raté. Et ils voulaient que les Russes redéploient leurs troupes et allègent le front de Pokrovsk pour se défendre. Et les Russes n'ont pas réagi comme ça. Ils ont accepté pratiquement que 200 000 personnes soient déplacées. Ils ont laissé les forces ukrainiennes s'enquister dans une espèce de poche. Et maintenant, ils montent en puissance pour éliminer cette poche. Poutine a dit qu'il ne négocierait pas tant qu'il y aurait un pied ukrainien sur le territoire russe. Donc c'était perdu parce que sur les deux points, les Russes n'ont pas bougé des troupes de Pokrovsk. Et après, ils ont peut-être allégé un peu un front calme qui est à Kherson, mais ça n'a pas changé l'équilibre des forces dans le Donbass, qui est quand même la terre principale. Mais c'est clair qu'à partir du moment où les Coréens sont sur le front, si brusquement ça devient un élément qui fait basculer la situation en faveur des Russes de façon trop notable, à ce moment-là, on est dans un autre schéma. Je ne pense pas que les Américains puissent perdre la face. On a investi, l'Occident a investi 400 milliards de dollars dans la guerre ukrainienne, en aide à l'Ukraine. Ces 400 milliards de dollars, c'est l'Institut Kiel qui dit ça, c'est celui qui se spécialise dans le compte minutieux, rigoureux, et sentencieux, d'ailleurs sourcilleux, des aides distribuées à l'Ukraine. 397 milliards de dollars. 397 milliards de dollars, c'est 2,5 fois le plan Marshall sur un seul pays au lieu de 9 et sur 2 ans au lieu de 5. Hein. Donc c'est des sommes considérables. C'est un investissement qui ne peut pas être complètement perdu. Donc, un écrasement de l'Ukraine ne serait pas supportable pour l'Occident. Je pense que les Russes sont suffisamment sages pour le comprendre, et donc ça veut dire qu'on devrait arriver à un compromis. Mais s'il n'y a pas de compromis, le risque d'escalade n'est pas négligeable. En accord avec cette logique, le président Poutine a proposé en 2015 l'idée de former un grand partenariat eurasien comme contour d'intégration le plus large possible dans l'intérêt de l'expansion et de la libéralisation des relations commerciales et d'investissement, de la mise en œuvre de projets d'infrastructures transfrontaliers, du développement d'un réseau de transport logistique et de l'harmonisation des processus d'intégration. Le grand partenariat eurasien, à son tour, posera une base économique et matérielle solide pour construire une architecture de sécurité eurasienne égale et indivisible, assurant la sécurité face aux menaces et défis communs à tous les pays du continent. S'exprimant au ministère des Affaires étrangères de la Russie le 14 juin de cette année, le président Poutine a clairement exprimé notre intérêt à créer une telle architecture, un système d'accords interétatiques et d'institutions garantissant essentiellement la responsabilité des pays participant dans le règlement des conflits régionaux et le maintien de la stabilité, tout en évitant toute ingérence externe destructrice. Poutine, depuis 2014, a été soumis en permanence au feu roulant des critiques de sa droite nationaliste, si je puis dire, qui était à la droite de... Poutine était relativement au centre de l'échiquier politique. En Russie, ça paraît curieux. Mais oui. Mais il avait à sa droite un bloc, j'allais dire, hyper nationaliste qui lui a reproché, à partir de 2014, de n'avoir pas profité de l'avantage militaire qu'il avait à l'époque pour conquérir l'ensemble de l'Ukraine. Et il a été sous le feu permanent de ses critiques jusqu'à l'affaire Prigojine qui en est l'apogée. C'est pour ça que Poutine a toujours essayé de ménager son extrême droite nationaliste jusqu'à ce qu'il s'en soit débarrassé. Donc il s'en est débarrassé avec le coup d'État de Prigojine, dont on connaîtra un jour peut-être tous les détails. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec l'élimination de Prigojine, de Wagner, de Surovikin, d'un certain nombre d'officiers généraux, un changement
le ministre de, en mai dernier, de, c'était, oui, en mai dernier, de la Défense. On entre dans une période beaucoup plus rationnelle, où on gère la guerre de façon économique. Il y a un excellent premier ministre qui gère son pays très raisonnablement. Et il y a un nouveau ministre de la Défense, dont la spécialité, c'était d'apurer les comptes et qui a viré pratiquement une vingtaine d'officiers généraux, etc. Donc on rentre dans une période plus rationnelle et Poutine est plus à l'aise et moins soumis à la pression de ceux qui voudraient manger toute l'Ukraine, ce qui serait d'ailleurs une erreur stratégique considérable parce que l'Ukraine sera rétive à une telle occupation. Je voudrais souligner que le président de la Russie a à plusieurs reprises déclaré que notre vision du grand partenariat eurasien et de l'architecture de sécurité eurasienne suppose une ouverture à tous les pays de notre continent sans exception, ainsi qu'à toutes les organisations de ce continent. Cela signifie que personne ne ferme la porte aux pays de la partie occidentale de l'Eurasie. Nous accueillerons leur participation au processus de coopération eurasienne, bien entendu, exclusivement sur la base de l'égalité et avec le refus de toute politique de bloc hostile et de pratiques néocoloniales. Ce sont des conditions absolument nécessaires, car il en a été autrement pendant longtemps. Par exemple, tous les schémas qui reposaient sur le concept de sécurité euro-atlantique ont servi à conserver la position dominante des États-Unis et à contenir leurs concurrents, y compris la Russie. Le rôle principal a été attribué à l'OTAN, qui, maintenant que c'est clair pour tout le monde, a finalement subordonné l'Union européenne, créée soi-disant par des Européens pour des Européens. Les renseignements américains disent avoir repéré 8000 soldats nord-coréens dans la région de Koursk. Selon Washington, le Kremlin les a équipés d'uniformes russes et formés pour participer en Ukraine à des opérations de première ligne. Les États-Unis s'attendent à ce que la Russie envoie les soldats nord-coréens au combat dans les prochains jours. Russia's actions with respect to the DPRK are not only dangerous, but they are antithetical to its responsibility as a permanent member of this UN Security Council. Russia's military cooperation with the DPRK violates multiple UN Security Council resolutions, which prohibit both procuring DPRK arms and providing military training. Face au déploiement des soldats nord-coréens, Volodymyr Zelensky estime la réaction des alliés nulle et son ministre des Affaires étrangères appelle les Occidentaux à lever toutes les restrictions sur l'emploi des missiles longue portée. Selon la Corée du Sud, Pyongyang a également fourni plus d'un millier de missiles et des millions de munitions à la Russie. Ce qui est en train de se passer, d'avoir ce rapprochement. On parlait de triangulation, Laurent-Arthur Duplessis, entre la Chine, le Sud global, la Russie, avoir jeté la Russie dans les bras de la Chine, de la Corée, parce que c'était, on peut pas dire qu'entre la Corée, à moins d'avoir aucun souvenir, aucune mémoire, ça n'a pas toujours été l'entente cordiale entre les Russes et les Coréens. Ça. Ni l'Iran. Et l'Iran, pareil. Ils ont quand même, c'est un tour de force de la diplomatie occidentale d'avoir réussi à coaliser toutes ces forces contre eux. Alors, c'est la guerre. Les Russes sont extrêmement pragmatiques. Hein. Donc, ils ont, au moment où il manquait d'effectifs, ils ont allé chercher les troupes dans les prisons. Il manquait de drones, ils ont fait appel aux drones iraniens. Il manquait d'obus, ils ont fait appel aux obus coréens. Donc, je ne pense pas que l'Iran et la Corée du Nord soient à ce point fondamentaux dans une espèce de retournement d'alliance. C'est une alliance conjoncturelle dans le cadre de la guerre. En revanche, la Chine, c'est beaucoup plus important. Et ça formate en effet les relations internationales pour de nombreuses années. Et Kissinger disait dans un triangle, il faut être l'un des deux. Dans les deux angles, et les Américains avaient été formidables là-dessus, puisqu'ils étaient plus proches de la Chine que la Russie ne l'était, plus proches de la Russie que la Chine l'était, donc ils étaient maîtres du jeu. Et maintenant, c'est un peu la Russie, ou plus exactement la Chine, qui pratique ce jeu, alors que la diplomatie occidentale a perdu ses fondamentaux. Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, se félicite, de ces contacts étroits entre militaires russes et militaires nord-coréens.
Vous me disiez tout à l'heure, avant l'émission, que la Corée du Nord n'a pas d'alliance, mais qu'elle fonctionne avec des partenariats. Qu'est-ce qui se passe là ? Est-ce que c'est le début d'une alliance avec les Russes ? Alors, c'est un vrai rapprochement. Un rapprochement stratégique, et la Corée du Nord a deux grands partenaires, notamment sur les questions de sécurité, la Russie, sur les questions économiques, la Chine, ce qui n'exclut pas un certain nombre de partenariats avec d'autres pays sur la surface de la Terre. Mais ce renforcement du partenariat avec la Russie inquiète l'autre partenaire habituel de la Corée du Nord, qui est la Chine. Mmh. La semaine dernière, la fin du sommet... des BRICS. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous faites partie de ceux, c'est l'ambassadeur, qui considérait que c'est un basculement du monde ou tout simplement la consécration de ce basculement qui a déjà débuté il y a un certain temps ? Disons que c'est une étape importante dans une évolution qui est irréversible, qui est que le monde occidental n'a plus, auquel pour des raisons regrettables, nous sommes maintenant en France complètement assimilés. Le monde occidental n'a plus l'ascendant, ni sur le plan économique, ni sur le plan démographique, ça on le savait, ni sur le plan moral, ça il faut bien le comprendre, et ni sur le plan scientifique ou technologique. Donc c'est une évolution qui a commencé il y a longtemps et qui s'accentue. En revanche, les BRICS ne sont pas une alliance militaire, et ce n'est pas une alliance tout court. Il y a des sensibilités extrêmement différentes au sein des BRICS. Par exemple, l'Inde soutient Israël, alors que l'Afrique du Sud soutient les Palestiniens. La Russie navigue un peu entre les deux, mais a plutôt le parti des Arabes pour des raisons géopolitiques. Donc, il n'y a pas vraiment d'alliance. Ce qu'il y a, c'est une commune volonté, un commun désir de s'affranchir d'une domination occidentale que l'on trouve excessive, mais on ne récuse pas fondamentalement l'influence occidentale. Quand vous regardez le communiqué de Kazan, même la diplomatie française n'oserait pas se montrer aussi élogieuse de la Banque mondiale et du FMI. Hein. Donc, ce qu'ils demandent, c'est une part plus grande au banquet, au festin du développement capitaliste, libéral, et même d'une certaine façon, en matière de valeurs, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ah oui. En gros, ils ne veulent pas qu'on les emmerde. Ils ont leur propre rythme, leur propre tradition, etc. Et l'Occident est trop dominateur, trop intrusif, trop donneur de leçons. Là-dessus, ils se retrouvent tous. Mais quand vous grattez dans le détail, il y a des différences. Je pense qu'il est difficile de comprendre ce qui se passe dans le monde en ce moment, et même ces dernières années, si on ne comprend pas le rôle majeur des États-Unis dans de très nombreuses crises. Alors, on ne va pas dire qu'ils sont responsables de toutes les crises, mais ça fait déjà plus de 20 ans que je ne comprenais pas forcément certaines situations géopolitiques. J'étais moi-même concerné par les bombardements du Gore en ex-Yougoslavie. C'est ça ce qui m'a vraiment éveillé. J'essayais de comprendre comment est-ce qu'on pouvait de nouveau avoir des peuples européens qui se battaient les uns contre les autres, alors que vous avez dit que l'Europe, ça serait la paix. Puis quand j'ai commencé à comprendre le rôle des États-Unis en ex-Yougoslavie, qui n'était pas du tout logique, les États-Unis sont à plusieurs milliers de kilomètres des Balkans, puis après j'ai analysé ce qui s'est passé en Irak, et j'ai vu de nouveau la main mise des États-Unis, puis quand on voit ce qui s'est passé en Libye, en Syrie, et quand on remonte dans le passé, on voit l'ingérence des États-Unis au Vietnam, en Amérique du Sud, en Corée, on se dit qu'il y a aujourd'hui un pays au monde qui a plus de 750 bases militaires dans plus de 80 pays qui ne cessent de faire la guerre. C'est l'Institut Fletcher de l'Université de Tufts aux États-Unis qui a analysé que les États-Unis, depuis 1776, depuis leur déclaration d'indépendance, ont mené des guerres dans plus de 500 fois. 500 fois. Et donc, ce rôle des États-Unis est un rôle clairement impérial, c'est ce que je démontre dans le livre. Les États-Unis se comportent comme un empire, ils ont les velléités d'un empire, ils ont les attributs d'un empire. Et si on veut comprendre ce qui se passe, souvent nos médias vont nous présenter un conflit entre les noirs et les blancs, les rouges et les verts. Mais derrière, quand on gratte souvent, pas tout le temps, on va trouver une trace américaine parce que, à travers différents leviers, que ce soit des leviers de ce qu'ils appellent le soft power, la culture, les think tanks, les universités, beaucoup d'argent, ou la guerre, eh bien les Américains veulent soumettre une partie du monde, ou en tout cas avoir accès à des territoires. Je pense que je terminerai juste là-dessus.
avoir accès à des territoires. C'est ce que fait chaque empire. Ils veulent avoir accès à des territoires pour récupérer les ressources naturelles et ils veulent avoir accès à des territoires pour vendre leurs produits et services. Pour avoir des débouchés économiques. Exactement. Nous sommes le vendredi 1er novembre et je suis toujours à New York pour vous livrer les dernières informations concernant la présidentielle américaine. La nuit dernière, la vice-présidente et candidate démocrate Kamala Harris était à Las Vegas, dans le Nevada. En compagnie de la superstar Jennifer Lopez, elle a tenté de séduire l'électorat latino, et plus particulièrement portoricain, récemment malmené par le camp républicain. « Si, c'est puede », scandait le public, en référence au célèbre slogan « Yes, we can » de Barack Obama. Kamala Harris s'en est de nouveau pris à son principal adversaire, Donald Trump, estimant que son élection représenterait un grave danger pour la liberté des femmes. De son côté, le candidat Trump a fait 3 arrêts hier. Un premier au Nouveau-Mexique, où il a critiqué une immigration massive, provoquée selon lui par l'administration Biden. Un second arrêt à Las Vegas, où il a confirmé avoir saisi la justice à propos d'une interview donnée par Kamala Harris à la chaîne CBS début octobre, qu'il estime biaisée. Et un dernier stop en Arizona, pour un entretien avec l'animateur conservateur Tucker Carlson, où il s'en est pris à Liz Cheney, la plus célèbre opposante républicaine du milliardaire. Si nous parvenons à maintenir la triche au plus bas, nous remporterons la victoire, a-t-il également déclaré. Toujours certain que des fraudes ont lieu pour le faire perdre. Aujourd'hui, les deux candidats se rendent tous les deux à Milwaukee, principale ville du Wisconsin, un état où le vote s'annonce particulièrement serré. Selon plusieurs médias américains, Donald Trump devrait également aller à Dearborn, ville du Michigan composée d'une population majoritairement d'origine arabe, qui s'est récemment détachée des démocrates en raison de leur appui prononcé à Israël dans sa guerre à Gaza et au Liban. C'est le dernier week-end de campagne donc pour Donald Trump et Kamala Harris qui sont toujours au coude à coude dans les sondages. Les deux candidats enchaînent les meetings dans les états clés. Vous voyez sur cette image, c'était hier à quelques heures d'écart, et bien ils étaient tous deux à Milwaukee dans le Wisconsin pour tenter de convaincre les derniers indécis. Et Donald Trump qui a une nouvelle fois fait polémique hier soir en suggérant que l'on tire sur Liz Cheney, ancienne cadre du Parti républicain qui soutient désormais Kamala Harris. Écoutez la réaction de la candidate démocrate, c'était hier soir. Il a intensifié sa rhétorique violente sur ses opposants politiques. Donald Trump a suggéré de manière très détaillée, que des fusils devraient être pointés sur l'ancienne parlementaire républicaine Liz Cheney. Cela doit être disqualifiant. Quiconque voulant être président des États-Unis qui utilise ce genre de rhétorique violente est clairement disqualifié et incompétent pour être président. Alors, vous vous rappelez de Dick Cheney? C'est un des hommes qui a déclenché la guerre en Irak en 2003. Dick Cheney. Un néocon républicain. Et là, en effet, il est allé du côté de Kamala Harris. Car pour lui, il faut lutter contre la Russie et l'abattre. Voilà pourquoi il est du côté de Kamala Harris. Prenons la direction des États-Unis. Il y a des mots qu'on n'entend pas dans la politique française, même si parfois le débat est un petit peu virulent. Là, il explique que Kamala Harris a un QI très bas, qu'elle est bête comme une pierre, qu'elle est bête comme une chaise. Kamala Harris explique que Donald Trump est une menace pour la liberté des femmes. On atteint une virulence inédite dans cette campagne américaine à quelques jours d'un scrutin historique, Lou Fritel. Donald Trump a toujours été quand même très, très extrémiste dans ses propos. Alors, n'étant pas spécialiste des États-Unis et Donald Trump, je ne pourrais pas vous dire si c'est pire qu'auparavant. Mais Donald Trump naît d'un style qui est quand même le style Berlusconi au départ et qui vraiment connaît son apogée avec l'arrivée de Donald Trump en 2016 à la Maison Blanche. Et qui est un style assez populiste, véhément et très dans le discours. Le discours de Trump est quand même un anglais très banal, très peu élevé et que quelqu'un qui parle mal anglais peut plutôt comprendre. Mais ce style-là des années 2016-2018 qu'on a pu voir aussi avec Orban, avec Salvini, pour moi, à droite, est en train de s'essouffler. Il semble que le style aujourd'hui de la nouvelle droite, finalement, soit plus conservateur, plus mélonien. Et c'est pour ça que je pense que Donald Trump, même si, bien sûr, il a il a 50% de chances de gagner, peut perdre sur ce qui a fait sa victoire en 2016. 50-50, c'est aussi votre avis, Gilles-William Goldnanel? Oui, alors je dirais comme Lou que Trump se
caractérise par sa vulgarité. Il n'y a pas de doute, mais il faut reconnaître que chez les démocrates maintenant, il est traité de fasciste, il est traité de nazi, il est traité de tous les noms également. D'une certaine manière, les démocrates l'ont suivi dans les excès. Moi, j'ai l'impression, au contraire, que ce qui risque de faire gagner Trump, malgré lui, malgré sa vulgarité, c'est l'anti-trumpisme. Primaire, qui se caractérise par le wokisme, qui se caractérise par la préférence un peu racialiste pour les minorités, et qui, cette fois-ci, peut faire gagner le trumpisme malgré lui. Et à quel point l'Amérique sortira disloquée mardi, face à face, divisée ? Est-ce qu'ils pourront se reparler après ? Ça fait des années que les États-Unis sont disloqués. Je veux dire, l'élection de Donald Trump en 2016, elle raconte quoi ? Elle raconte qu'effectivement, il y a une élite déconnectée des réalités des Américains. Même si Hillary Clinton avait gagné en nombre de voix. Mais dans tous les cas, ça raconte cette fracture. Toutefois, juste une chose sur ce que disait Gilles William, je suis d'accord sur cet anti-Trumpisme, mais j'ai aussi de voir que les démocrates courent un peu après Trump et prennent, je ne me souviens plus du nom du colistier de Kamala Harris, mais c'est pas quelqu'un du tout qui est dans cet anti-trumpisme, wokiste, etc. Au contraire, il y a une volonté un peu de recentrer ce discours et de quitter les oripeaux dans lesquels était tombé le Parti démocrate ces dernières années. Le journal Azzaq al-Awassat a rapporté vendredi que le premier ministre libanais avait accusé Israël de rejeter une proposition libanaise de cesser le feu. Cette nouvelle intervient après qu'au moins 10 personnes ont été tuées dans des frappes sur la banlieue sud du Beyrouth à la suite d'appels à évacuer de la part d'Israël. Par ailleurs, le ministère libanais de la Santé a déclaré que 52 personnes avaient été tuées et 72 blessées lors de frappes israélienne sur Baalbek, Hermel, dans l'est du pays. Les attaques qui, selon le Liban, se sont produites sans le moindre avertissement. La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés demande à nouveau la suspension d'Israël et de l'Organisation mondiale. Fonseca Albanese accuse en effet Israël de commettre un génocide à Gaza et de violer le droit international. Alors que le monde observe les hostilités qui se déroulent au Moyen-Orient, les experts des Nations Unies et les humanitaires tirent cette semaine la sonnette d'alarme. Depuis plus de 13 mois, la guerre à Gaza se poursuit sans relâche. Et les principaux humanitaires avertissent que toute la population du nord de Gaza risque de mourir. S'exprimant à New York jeudi, Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés, a déclaré que le génocide à Gaza devait cesser. Les États-Unis estiment cependant qu'elle n'est pas apte à remplir son rôle, tandis qu'Israël insiste sur le fait qu'elle est antisémite, disant que ses rapports sont sans fondement et remplis de mensonges. Il est temps d'envisager de suspendre les pouvoirs d'Israël en tant qu'État membre. Personne d'autre n'a maintenu une occupation illégale, violant des décennies de décisions et de résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, de l'Assemblée générale, du Conseil des droits de l'homme et de la Cour internationale de justice comme l'a fait Israël. Assez, assez. Les débats se poursuivant à l'ONU, des millions de personnes souffrent à Gaza. L'ONU estime qu'à la mi-octobre, 1,9 million de personnes ont été déplacées à Gaza et que 41% de la population risque de souffrir de la faim. Je partage la rage et la fureur de tant de personnes à travers le monde. J'ai honte et je suis profondément désolée que le monde multilatéral vous ait laissé tomber. Et j'espère qu'un jour nous partagerons un collectif différent de convictions en tant qu'humanité qui ne soit pas basé sur des expériences de traumatisme impérialiste colonial ou sur ce qu'il nous a pris, à nous et à nos peuples, et à nos avenirs collectifs. L'envoyé de la Palestine auprès de l'ONU a de nouveau appelé à une intervention internationale. Il affirme que les souffrances à Gaza sont devenues insupportables. Nous voyons ceux qui agiront avec courage et principe pour sauvegarder le droit international et insister sur son respect, pour défendre les droits de l'homme universellement et exiger la justice. Le droit international nous offre des outils pour mettre fin à cette impunité et nous devons les utiliser de toute urgence.
Les responsables de l'ONU indépendants insistent sur ce que l'action devrait être prise contre Israël. Ils affirment que le refus d'Israël d'adhérer aux décisions de justice, aux résolutions juridiquement contraignantes du Conseil de sécurité et ses attaques contre l'Organisation mondiale et ses soldats de la paix au Liban, et le fait d'avoir déclaré le secrétaire général persona non grata ne doivent pas rester impunis, autant d'allégations qu'Israël nie. Selon plusieurs témoignages de journalistes, la direction n'aurait pas accordé assez de place à l'antenne, à la situation à Gaza. C'était difficile de parler des victimes civiles à Gaza les premiers jours. La direction voulait que l'on parle avant tout des victimes israéliennes. Les plateaux étaient trop à sens unique. Il fallait aussi inviter des humanitaires, des universitaires, pas seulement des porte-paroles de Tsahal et des journalistes israéliens. En cause notamment, la collaboration entre BFM et I24 News, un autre média du groupe de Patrick Drahi. Cette chaîne, basée en Israël, va fournir des plateaux et des duplex pour BFM TV, juste après les massacres du 7 octobre. Relayant, dans l'émotion, une fausse information sur des bébés décapités. De la frontière qui sépare Israël. On parle d'enfants, de femmes, à qui on a coupé la tête. On parle de dizaines de morts ici, non seulement ici. Face au malaise de la rédaction de BFM, le sujet est abordé lors d'une réunion d'urgence le 6 novembre. Nous nous sommes procurés la retranscription des échanges. Marc-Olivier Fogiel se défend face aux journalistes. Il n'y a aucune consigne pour dire « on ne traite pas Gaza à l'antenne ». Il y a des choix, mais aucune consigne. Sans doute, moi, ce qui m'a éveillé à ce problème, c'est justement d'avoir été témoin direct, par mes origines, d'une guerre qui a commencé dans les années 90, au début des années 90, et où j'ai eu l'occasion d'être témoin visuel immédiat d'événements qui ont été à tel point déformés ou occultés médiatiquement qu'on avait vraiment construit, on a fini par construire une réalité parallèle sur cette guerre. Par exemple, En automne 92, j'ai fait partie d'une expédition qui était organisée par Elie Wiesel pour voir s'il y avait vraiment des camps d'extermination serbes en Bosnie. Elie Wiesel et une quarantaine de journalistes sont allés voir. La conclusion, c'était non, ce sont des camps de prisonniers. Et cette expédition tout entière, avec tous les moyens qu'elle a impliqués, a été effacée, médiatiquement effacée. On n'en a pas parlé, sauf que dans cette expédition se trouvait un journaliste français qui s'appelait Jacques Merlino, et qui en a tiré un livre. Jacques Merlino était chef des informations sur France 2 avant son livre sur la guerre en Yougoslavie, qui s'appelait Les vérités yougoslaves ne sont pas toutes bonnes à dire. Après son livre, il a disparu, c'est-à-dire qu'on l'a envoyé correspondant en Chine, parce qu'il avait essayé de monter une enquête. Il a fait une enquête sur la construction d'un mensonge, d'une fiction. Et à ce moment-là, il a disparu. Moi, c'est une chose qui est une expérience personnelle. À cause du fait que je suis parti de cette expérience, excusez-moi de donner du personnel, mais dans le contexte, de nouveau, de ce que vous avez soulevé avec votre livre, je pense que le témoignage personnel, l'intégrité d'un témoignage devient absolument déterminante. Et disons, l'investissement qu'on y met. Moi, je n'y mets pas un investissement d'une cause, j'y mets, si, la cause que je défends, c'est celle justement de la vérité, et non pas d'un camp que je veux défendre. C'est un peu la seule garantie qui nous reste. Et si je pars de cet exemple, c'est que par la suite, quand j'ai voulu raconter ce qui est arrivé, et de nouveau, autre épisode totalement déformé ou occulté, qui était la guerre enfin, l'expulsion de la population de la Kraïna en 1995, eh ben, j'ai eu l'idée d'en faire un roman. Parce que la vérité sur ces gens, sur ce qu'avaient vécu ces gens, ne pouvait pas être dite sur le mode documentaire, étant donné que le champ documentaire était complètement envahi par des représentations qui étaient incompatibles avec la vérité vécue.
Quand vous êtes complètement, moi personnellement, quand je suis complètement écrasé par la violence de du réel qui nous entoure aujourd'hui, par ces mensonges qui sont partout, par les menaces d'intelligence artificielle, je lis Balzac. Oui. Mmh. C'est voilà. Beaucoup de sujets, oui. Oui, oui, je dirais que ce que vient de dire la Sloboda, la démonstration de un petit peu de ce que j'essaie de montrer sur la manière de sauver la vérité, c'est-à-dire qu'il y a de l'indignation. Et l'indignation, c'est le vecteur pour dire, voilà, je tiens encore à la vérité. Non. Et ce que vous dites, c'est intuitif. D'ailleurs, oui. Je dis non, moi, je n'ai pas vu ça, ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc, c'est essentiel. C'est toujours ce qui est à la source de la recherche de la vérité, c'est l'indignation. Le narratif, c'est une mise en forme du réel qui est évidemment quelquefois très habilement faite pour faire réagir pour tous les capteurs chez les gens disons l'être humain candide, tous les capteurs qui lui disent ceci est vrai. Donc on va l'émouvoir, on va donner une certaine cohérence à une réalité qui quelquefois n'en a pas. On va la polariser d'une certaine manière pour que ça donne un récit qu'on puisse mémoriser. Et on a aujourd'hui une narration, une chronique des événements qui est complètement guidée par le narratif. Le narratif, quelquefois, préexiste à l'événement. C'est-à-dire qu'on ne va pas déclencher l'événement si on n'a pas le bon narratif. Bon, alors évidemment, chacun se bat comme il peut. Moi, j'ai créé l'Antipresse il y a 9 ans, c'est justement pour essayer de donner non pas un contre-narratif qui ferait appel à des passions inverses ou aux mêmes passions pour réorienter la compréhension des événements dans une autre direction, mais pour dénarrativiser les choses, c'est-à-dire faire appel non plus aux passions que vous avez soulignées, mais pour faire appel à ce sens inné au fond, à ce bon goût qu'ont les gens de sentir lorsqu'ils sont dépassionnés que quelque chose cloche. Je vous donne de nouveau un exemple parce que le bon sens, il est pas seulement populaire, il est assez bien partagé. Par exemple, moi vous parlez de manière très intéressante de Wikipédia. Moi j'ai une ma propre page Wikipédia que j'ai pas faite est une horreur. pour des raisons qui sont liées à diverses choses. C'est un historique de confrontation. Je ne peux pas la changer. Tout ce que je peux faire, c'est la laisser comme elle est. Et confronter ce portrait qui est fait de moi, de ma personne, sur Wikipédia, avec ce que je peux dire en direct, en parlant aux gens, ou en témoignant par mes écrits. Il y a un tel contraste entre ces choses que toute personne dotée de bon sens va voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Je ne peux pas faire mieux. L'Union européenne et le Japon ont conclu un pacte de sécurité et de défense ce vendredi. Cet accord prévoit davantage d'exercices militaires conjoints et une coopération dans le domaine de l'industrie de la défense. Lors d'une déclaration commune avec son homologue japonais Takeshi Iwaya, le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell s'est félicité de ce partenariat, précisant qu'il s'agit du premier de ce type entre Bruxelles et un pays d'Asie-Pacifique. It's a historical and very timely step, given the situation in both of our regions. This political framework deepens our ability to tackle emerging threats together. And towards a future where our values, our common values of democracy, human rights, and the rules-based international order will continue to guide our way. Actuellement en tournée en Asie de l'Est, Joseph Borrell doit se rendre prochainement en Corée du Sud pour discuter d'une entente stratégique avec le pays. Ce voyage intervient dans un contexte de tensions accrues à l'échelle mondiale. La Chine et la Russie ayant multiplié leurs activités militaires conjointes, tandis que la Corée du Nord a récemment envoyé des troupes combattre aux côtés des soldats russes et testé un nouveau missile balistique intercontinental ce jeudi. Le Premier ministre slovaque Robert Fico estime que l'incroyable transformation de la Chine en si peu de temps a laissé une profonde impression. Le Premier ministre slovaque a fait ses remarques lors d'un forum d'affaires Chine-Slovaquie qui s'est tenu vendredi à Beijing. Avec les dirigeants du Conseil chinois pour la promotion du commerce international, Robert Fico a assisté à la signature de nombreux documents de coopération commerciale lors de cet événement.
Il a déclaré que la Slovaquie et la Chine disposaient d'un énorme potentiel en matière de coopération économique et commerciale. Il a indiqué qu'une usine serait établie conjointement par des entreprises chinoises et slovaques dans son pays afin de produire des batteries pour véhicules électriques. De son côté, Zhang Shaogang, vice-président du Conseil chinois pour la promotion du commerce international, a déclaré que le commerce entre la Chine et la Slovaquie s'était activement développé ces dernières années et que de plus en plus d'entreprises chinoises choisissaient d'investir en Slovaquie. Ma précédente visite en Chine en tant que Premier ministre, il y a 17 ans, m'avait déjà donné un aperçu fascinant des progrès remarquables réalisés par votre pays et l'incroyable transformation que la Chine a opérée en si peu de temps m'a profondément impressionné. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre nos deux pays. Ce jalon représente des années d'amitié et de compréhension mutuelle. Nos pays ont établi des relations pragmatiques fondées sur le respect mutuel et des intérêts partagés. La Chine mérite d'être reconnue pour ses réalisations économiques sans précédent et son rôle dans la stabilisation du développement mondial. Ces dernières années, les relations Chine-Slovaquie ont maintenu une bonne dynamique de développement et la coopération s'est épanouie. Dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route, ainsi que du mécanisme de coopération Chine-Pays d'Europe centrale et orientale, le niveau de la coopération économique et commerciale Chine-Slovaquie s'améliore constamment. Le volume du commerce bilatéral est passé de 40,9 millions de dollars en 1993 à 11,53 milliards de dollars en 2023. La Chine est le premier partenaire commercial de la Slovaquie en dehors de l'Union européenne. Et la Slovaquie est la première source d'importation de la Chine en Europe centrale et orientale. En Espagne, trois jours après les intempéries qui ont engendré des inondations meurtrières dans plusieurs régions du sud et de l'est du pays, les autorités ont annoncé le déploiement de centaines de militaires, envoyant en renfort pour venir en aide à la population. Dans la région de Valence, l'un des secteurs les plus gravement touchés par la catastrophe, les habitants tentent de reprendre leurs esprits. Estamos vivos los cuatro, pero lo hemos perdido todo. Toda la vivienda, el coche, son cosas materiales, pero todo, todo, nuestra documentación, todo. El ayuntamiento simplemente a las 5 de la tarde o algo así dijo que el iba crecido el barranco, pero que estaba todo controlado. O sea, estábamos tranquilos en casa, que no pasa, como no pasaba nada, pues yo terminé de trabajar y estaba paseando el perro tranquilamente. A Peporta, commune située à la périphérie sud de Valence, une soudaine vague de boue de près de 2 mètres de haut a englouti les rues. Les survivants, privés de tout, forment des queues pour obtenir de la nourriture et de l'eau potable. De fortes précipitations pourraient s'abattre à nouveau sur les régions sinistrées. Le canton de Huelva, en Andalousie, a été placé en alerte rouge par l'Agence météorologique espagnole. Cinq personnes, dont plusieurs adolescents, ont été grièvement blessées jeudi soir dans une fusillade liée au trafic de drogue dans la ville française de Poitiers. Les violences ont ensuite dégénéré en une gigantesque rixe entre bandes rivales qui a impliqué entre 50 et 60 personnes. Cette fusillade qui a impliqué un certain nombre de personnes, mais beaucoup moins que ce que peuvent laisser entendre certains médias. Et c'était la place Coimbra, c'était une place publique, donc il y avait des gens en terrasse, il y avait des gens qui fêtaient Halloween avec la maison de quartier juste à côté. Parce qu'on était dans un quartier qui était agréable, au début c'était bien. Moi j'ai vu le centre commercial se construire, tout allait bien. Et puis on était bien, les enfants, tout le monde allait bien, et maintenant ça se dégrade de plus en plus, c'est affreux. Un jeune homme de 15 ans se trouve toujours dans un état critique après avoir été blessé par balle à la tête. La maire de Poitiers a qualifié d'inacceptable ce nouvel épisode de violence et la préfecture a promis de déployer des renforts de police dans les plus brefs délais. Mention qui existe déjà, figurez-vous que Matignon va désormais écouter, suivre vos recherches dans Google, TikTok ou Instagram. Les recherches internet, c'est le service d'information du gouvernement, le SIG, qui a lancé un appel d'offres pour faire de l'écoute sociale sur internet. C'est comme ça qu'ils appellent cette surveillance, avec deux nouveaux lots. D'abord, scruter les requêtes en ligne des Français, identifier les signaux faibles pour savoir un peu qu'est-ce qui intéresse les Français et si jamais il leur venait l'envie soudaine d'occuper des ronds-points avec des gilets jaunes, par exemple. Alors, le budget de ce nouvel appel d'offres est quasiment doublé, puisque cette mission existait auparavant. C'était 2,8 millions d'euros sur 4 ans. Et bien là, il faut faire des économies, mais pas
pour l'écoute sociale, 5 millions d'euros pour 4 ans qui vont être demandés donc à ces prestataires. L'idée, c'est d'avoir des outils pour l'étude sociale et le search listening pour savoir de quoi vous parlez, vous les Français, nous les Français, par rapport à l'action du gouvernement. Mais l'actualité, en général, il s'agit d'étudier les mots-clés, ceux qui sont les plus cherchés pour avoir des stratégies de communication du gouvernement. Et puis, il cherche également à Matignon un prestataire pour détecter les signaux faibles, pour savoir ce qui pourrait être pris en considération par l'action publique. On sent quand même la fébrilité d'une période presque pré-révolutionnaire, diront tout. Mais c'est pas tout. Vous savez qu'il y a un rapport qui a été publié lundi par le ministère de l'Intérieur et qui confirme l'utilisation illégale d'un logiciel de surveillance faciale, Briefcam, par la police lors des émeutes en 2023. Parce qu'en 2015, les forces de l'ordre ont acquis en secret un logiciel d'analyse de vidéosurveillance. C'est une société qui s'appelle Briefcam qui vend ça. Et depuis 8 ans, eh bien, le ministère de l'Intérieur a cet outil qui permet la reconnaissance faciale. Alors vous savez que pendant les JO, on a parlé de caméras algorithmiques qui permettaient de voir des comportements étranges dans la foule. Là, il est question de reconnaissance faciale et ça a bien été utilisé. Alors, une fois documenté lors des émeutes de 2023, ça n'a pas conduit à l'arrestation d'émeutiers. Il faut savoir que le slogan de Briefcam, c'est quand même transformer la vidéosurveillance en intelligence active. En France, une centaine de villes ont équipé leur police de l'application Briefcam, à Nice, Roanne, Aulnay-sous-Bois, Perpignan ou Roubaix par exemple. Et puis le Puy du Fou également a cette caméra. Et puis on sait que l'écoute est partout, dans les assistants à IA, que ce soit sur Amazon ou autre. Vraiment, on se prépare à un chouette meilleur des mondes avec des radars maintenant équipés d'IA qui permettent de savoir si vous parlez au téléphone ou si vous n'avez pas mis votre ceinture. Qu'est-ce qu'on est bien quand même avec cette société qui s'installe où vous serez fliqué en permanent. Il rase les murs. Je fais à manger, j'entends une rafale de mitraillettes, vous vous rendez compte ? Je croyais que c'était la télé. J'appelle mon mari, ça criait. J'ai dit non, c'est ici. Et à partir de quand vous avez vu la situation se dégrader ? Ça fait 6 mois que ça arrête. Ah ben là, ça fait depuis 6 mois, là, ça n'arrête pas. Je sors une fois, il y avait des gens avec des machettes hautes comme ça qui sont sortis d'une voiture. Entre et c'est deux. Des gens que vous connaissez ? Non, c'est des... Ils ont quel âge environ ? C'est des jeunes, des... Des ados ? Des gens de couleur. Ils sont habillés en noir, tout c'est tout, c'est pareil. Ils sont toujours habillés pareil avec leurs pochettes. C'est que des étrangers et des jeunes. Hein. Il y en a, ils ont 13 ans, ils ont 14 ans. Ils ont des chaises, ils s'installent, ils appellent quand le fourgon passe. C'est que ça. Vous venez demain en jogging, vous vous cachez, vous allez voir comment on vit. Hein. Nous, on vit sur la peur. Hein. Ma fille, elle m'appelle, elle a peur. Quel âge elle a, votre fils ? Ma fille, elle habille à peur de fille. Elle m'a dit, maman, déménage. Je ne peux pas déménager, moi, je ne peux pas. J'ai demandé un appartement au centre commercial, au CTS, un appartement, parce que mon mari a des problèmes de santé. Moi, j'ai des problèmes de santé actuellement. J'ai donné 2 ordonnances. On m'a dit, vous savez ce qu'on m'a répondu ? Non, dites-moi. On m'a dit, excusez-moi, madame Colin, mais vous n'aurez pas d'appartement parce que la mairesse de Rennes a fait un contrat avec Paris pour les émigrés, était prioritaire. Voilà, ben, j'y vive la France. Et je suis partie avec mes 2 certificats médicaux. Et mon mari a des problèmes de cœur. On a un T3. On a 4 étages sans ascenseur. Il a des gros problèmes de cœur. Moi, j'ai problème de santé aussi. Eh ben, on tolère. Et on n'a le droit à rien. Nous, on n'est plus en France. On n'a plus le droit à rien du tout. On n'a plus le droit à rien. On vit sur la peur. On n'a le droit à rien. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier, votre mari ? J'étais femme de ménage, moi. Je ne travaillais plus parce que j'ai des problèmes de santé. Je ne pouvais plus travailler. Et votre mari, qu'est-ce qu'il faisait ? Mon mari, il travaillait dans les travaux publics à Crevin. Il a travaillé 49 ans de boîte. Hein. Là, il est en retraite maintenant. Vous savez ce que je viens de dire, et moi j'y crois beaucoup, et c'est ce que j'ai dit. On n'a plus le droit, on n'a plus le droit d'appartement, on n'a plus le droit, on demande simplement un service, parce qu'on a la preuve comme quoi on a des problèmes médicaux. Non, on ne nous aide pas. Ce que je viens de dire, là, il y a quelques instants, aux associations, à ceux qui étaient autour de la table, c'est que rétablir l'ordre républicain, c'est pas pour les gens qui sont riches, c'est souvent pour des gens qui sont modestes. C'est souvent pour des gens qui sont comme vous, qui ont une vie de labeur, et c'est vous qui encaissez les conséquences du désordre. Parce que quand c'est la loi du plus fort, quand c'est la loi de la jungle, celui qui trinque, c'est le plus faible, c'est le plus petit. Et quand on veut rétablir l'ordre, c'est ce que je dis toujours, il y a une dimension sociale. Cette revue de presse papier. Alors, pour cette semaine, le monde diplomatique.
le monde diplomatique de novembre 2024 avec un dossier vraiment très très important, l'introuvable paix au Proche-Orient. Et puis évidemment, un article central, si je puis dire, le triomphe sanglant de Benjamin Netanyahou. Très, très bon article. D'ailleurs, je ferai en sorte de vous le mettre en ligne dans quelques jours, de le partager avec vous. Donc, le monde diplomatique. Ensuite, Marianne. Marianne, un article de Jean-Pierre Chevènement, « Des munitions pour l'avenir du pays ». Comme d'habitude, Jean-Pierre Chevènement est un type très intéressant. La première de Marianne sur la censure, mais la censure dans nos bibliothèques et la censure dans nos librairies. Très, très intéressant. Et là, c'est une chose qu'on ne soupçonne pas, vraiment. Les élections américaines, allons-nous vers une élection perdant-perdant ? Se demande Marianne. Et puis, une réalité, les États-Unis n'ont jamais été aussi tribalisés. Et c'est vrai. Donc, cette semaine, seulement trois journaux, la lettre des amis de l'œuvre d'Orient. L'œuvre d'Orient, comme son nom l'indique, est une ONG chrétienne qui soutient les chrétiens d'Orient. Mais ce qui est très intéressant surtout, c'est qu'évidemment, ils sont au cœur des batailles entre Israël et le reste du monde arabe. Et ils en souffrent évidemment comme les autres. Et les infos de l'œuvre d'Orient sont très, très intéressantes. Et vous verrez que Israël ne fait pas de quartier. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette revue de presse. À très bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.